aujourd'hui, je vais vous présenter un nœud qui s'appelle le nœud kangourou. Pour ce faire, il me faut une écharpe tissée et un coupon de portage ou votre nœud. Je vais prendre ici une écharpe de 4,20 m. Ce nœud peut se faire avec une petite écharpe également. Je viens prendre le milieu de mon écharpe. Je fais un cordon et je viens positionner mon écharpe sur mes deux épaules et le milieu du cordon sur mon plexus solaire. Je viens prendre mon bébé, je le positionne bien haut et je viens chercher ses pieds par-dessous mon écharpe. J'asseye bébé sur le cordon et vérifie que le cordon passe d'un creux du genou à l'autre creux du genou. Je ramène les mains de bébé vers son visage et là je vais venir jusque venir couvrir les épaules de bébé. Ensuite, je prends un côté ou de l'autre, c'est égal. Je passe ma main à l'intérieur et je viens chercher ce même pan au niveau du dos du bébé. Et je fais ce qu'on appelle une volte. Je fais la même chose de l'autre côté, toujours par l'intérieur. Et la deuxième volte est faite. À partir de là, je viens saisir dans le dos un pan et je viens faire un serrage point par point. Maintenant que j'ai fait ça d'un côté, je fais la même chose de l'autre. Je viens saisir le pan en faisant attention de ne pas croiser mon tissu et je viens faire mon serrage point par point. Voilà. À partir de là, je vais venir faire un nœud sous les fesses du bébé. Et un deuxième pour verrouiller le nœud. Je vérifie que bébé est le genou bien monté, que le tissu passe d'un genou à l'autre, que les voies respiratoires du bébé soient dégagées, ses mains près du visage. Et voilà, vous avez un nœud kangourou ventral.